prends l'air. Un peu dehors, un peu dedans. Petit rafraîchissement, comme dirait le coiffeur, ça fait du bien à cette période. En automne, on a tendance à perdre de la masse, à perdre des cheveux, à avoir les cheveux un peu ternes. Mais je crois qu'en fait, en automne, tout est terne. Les cheveux, le teint, moral. Donc aujourd'hui, on va cuisiner. Ce soir, on a des invités. J'ai bien envie de faire une petite tarte aux pommes. C'est le retour des pommes Boskop. La pomme à cuire. Je pense que je vais faire une pâte à tarte sans gluten, histoire de la manger en toute sérénité, en bonne conscience. Donc je vais faire, vous savez, ma pâte à tarte que je vous avais proposée dans une recette de tarte aux fraises. Du coup, il va me falloir des œufs. Je vais doubler les quantités d'ailleurs, parce que sur les réseaux sociaux, je vous avais donné les quantités pour une petite tarte. Mais là, on va faire une grande. J'ai juste peur qu'il manque de la compote. Oserais-je faire de la compote? Oh, je ne sais pas. C'est tellement plus pratique que ça industriel. Finalement hier, j'ai fait un petit peu cette tarte dans mon coin. J'avais prévu de parler, de vous expliquer plusieurs choses sur cette fameuse pâte à tarte sans gluten. Et mon fils est venu cuisiner avec moi et honnêtement, j'étais tellement contente qu'on pâtisse ensemble que j'ai juste profité de l'instant. Donc je remets bien la recette, mais vous savez, c'est la recette que j'avais mise sur Instagram. J'ai juste doublé les quantités. Cette pâte à tarte est parfaite. Tu nappes ta pâte de compote. Moi, j'aime bien que ça soit assez généreux. Tu recouvres de lamelles de pommes et ensuite, tu saupoudres du sucre de coco. C'est parfait, je l'ai laissé 25 minutes à 170 degrés. Ça fait un petit moment que mon fils me tanne pour qu'on repasse sur des gels douche liquides que j'avais abandonnés il y a quelques années pour réduire le plastique, mais aussi parce que même dans les gels douche bio, on avait quand même désormais beaucoup de sulfate, ce qui avait tendance à réveiller sa peau eczémateuse, ça fonctionnait pas du tout. Là, j'ai trouvé justement sur le site de Merci Walter, qui sponsorise cette vidéo, un gel douche très doux, qui en plus est proposé dans cette version de 3 litres pour modérer justement l'utilisation de toutes ces petites bouteilles de plastique, c'est donc moins impactant et ça me convient davantage. Au niveau de la composition, c'est une composition qui est vraiment très très simple, avec du décyl glucoside, on a un petit peu de glycérine, on a de la poudre d'aloe vera, et l'idéal c'est d'avoir cette petite fontaine pour recharger au fur et à mesure la bouteille qui est dans la douche. En plus, c'est un petit côté ludique comme avec les produits ménagers qui lui plaît évidemment beaucoup. On va essayer ça, je vous dirai un petit peu ce qu'on en a pensé en termes aussi d'efficacité et de résultats sur la peau justement de mon fils, qui a quand même cette particularité de s'assécher un peu vite et de facilement faire des plaques. J'en ai profité pour reprendre de la salade et ça y est, on peut racheter des petits bouquets de quoi. Donc t'achètes le petit bouquet dans la boutique de Vrac. Là c'est la saison. Oh, moi j'aime tellement, je trouve que ça a vraiment un bon goût. Ici aussi, on est passé sur le même genre de format. On a la lessive fraîcheur. Celle-ci, je l'ai choisie parce qu'elle est sans glycérine. Et je vous disais que depuis qu'on avait dû changer notre lessive, je faisais super, super, super attention à choisir des lessives qui permettent vraiment d'entretenir et ton linge et ta machine. Donc je les prends sans glycérine. D'ailleurs, c'est l'idéal si vous avez des couches lavables ou des culottes menstruelles. Les culottes menstruelles, je fais vraiment hyper attention. Et l'idéal, c'est d'utiliser ce genre de lessive sans glycérine. En plus, elle sent bon. Et c'est pareil, la lessive, on avait dû la changer lorsqu'on avait découvert que mon fils avait une peau atopique. Et c'est le dermato qui nous avait dit de choisir des lessives plutôt douces, donc idéalement certifiées biologiques comme celle-ci, parce que c'est quand même ce qui tolère le mieux, et effectivement,
On est sur une journée très productive, j'ai l'impression. Du coup, j'ai pas filmé, c'est vrai que j'ai pas pensé en même temps. Je pense que ce monsieur aurait trouvé ça très bizarre. Lorsqu'on est livré des produits Merci Walter, en fait, on les reçoit comme ça. Ils sont pas suremballés. Il y a ton produit ménager ou ton cosmétique à l'intérieur, ta boîte en carton, et c'est cette boîte en carton que tu poses directement dans ta buanderie ou dans ta cuisine, etc. Il n'y a pas de suremballage. Il me les a déposés comme ça, tel quel, ce que je trouve quand même plutôt pas mal, parce que c'est vrai que ça aussi, ça impacte l'empreinte d'un produit. Donc avoir des produits pensés de manière cubique qui permettent un transport très minimaliste fait partie du calcul de l'empreinte. Là, c'est le liquide vaisselle super dégraissant qui sent très très bon au citron, que j'ai sorti pour vous montrer son petit bec verseur qui est calé en fait sous mon évier, comme ça il ne me dérange pas, j'ai qu'à le re-remplir, c'est super facile. Ce que je trouve le plus pratique, ça reste d'être livré chez moi. Je pense que vous l'avez vu ces dernières années, je tends vers une vie toujours plus facile, je vais au plus pratique de plus en plus pour me faciliter la vie. Je crois que la quarantaine a un petit peu accélérer les choses, et en bref, je veux toujours plus de facilité. Bon bah c'est bien, on va aller faire un petit tour, je crois. S'invite à Lille tout doucement. Ils étaient en train de terminer de monter la grande roue. Il y avait quelqu'un encore dessus. D'ailleurs, ça, c'est impressionnant. Il était super haut. Donc, on sent que ça y est, tout le monde commence à venir prendre des petites boissons chaudes. C'est Noël, c'est Noël. C'est quand même une jolie ambiance. On est passé au Furet du Nord parce que mon fils avait besoin de quelque chose pour l'école. J'ai vu des graphiques qui me disaient bien. Franchement, j'avais trop, trop envie de craquer pour un livre. Mais je me suis dit qu'avec les dépenses de fin d'année, il fallait essayer d'être raisonnable. On est passé chez les sœurs Green. Et je suis super mécontente parce que je me suis lancée dans un calendrier de l'Avent pour un anniversaire. Dedans, je mets plein de petites choses, des petites choses éthiques, genre des savons, des choses comme ça, des petits mots, des petites douceurs, des petits chocolats. Je mets des fois genre un petit élastique, ouais, je mets un petit peu de tout, mais il me manquait 2-3 cases encore. Et je peux pas mettre que des petits mots ou des mantras. J'ai opté pour un petit truc utile, des petites cuillères. Alors j'ai hésité parce qu'il y avait un autre modèle qui me plaisait vraiment beaucoup sur le thème de Noël. Et en fait, il y en avait une autre dont cette partie-là était en forme de fleur. J'aimais vraiment beaucoup, mais pour la personne en question, je pense que ça correspondra davantage. Elle peut toujours le mettre à Noël pour, je sais pas moi, du sucre en poudre ou que sais-je, ou une tapenade. Enfin voilà, je trouve ça très très mignon. On va glisser ça dans son petit calendrier de l'Avent. Running du dimanche matin en automne, c'est tellement tellement joli, ça fait vraiment du bien, ne serait-ce qu'aux yeux, de sortir courir parce qu'on a les grands tapis de feuilles jaunes, c'est vraiment magnifique. Et pourtant, je reconnais que ce n'est pas la période la plus facile pour sortir parce qu'il fait humide, il fait un peu frais. Ça fait 2-3 fois que je sors avec cette combi dont je vous parlais sur Instagram, que j'ai acheté de seconde main de la marque Huge, qui est une marque à la base de tenue de yoga, donc je l'avais acheté plutôt pour ça, pour faire mes exercices à la maison. Et finalement, la brassière intégrée est suffisamment tonique, donc je l'utilise aussi en course à pied. Et ça me permet d'avoir un peu moins froid. La principale limite est qu'il faut beaucoup se couvrir ensuite en automne. Et quand t'as envie de faire pipi entre deux, c'est un petit peu la galère. Mais sinon, elle est super cool, puis super jolie. Je trouve que ça donne un peu de motivation aussi. De potimarron, j'ai du quinoa. Je me demande si je vais pas faire un petit truc en one pot. Je pense que je vais les faire revenir, ajouter de l'eau, du bouillon et ensuite le quinoa. L'été ou
tout a fondu de Tiffany McDaniel, ça y est, je l'ai enfin entamé. C'est un style d'écriture que j'aime beaucoup. C'est une traduction, mais c'est vraiment très très bien écrit. Enfin, c'est le genre de plume qui me plaît. On va suivre un jeune garçon qui en rencontre un autre suite à un appel de son père via une lettre qui proposait au diable de leur rendre visite. Ce petit garçon arrive dans leur ville en se présentant comme le diable et ils vont se retrouver à vivre un certain moment ensemble. On imagine bien qu'il va se passer quelque chose de sombre parce qu'on fait des allers-retours entre le présent et le futur. C'est toujours selon le point de vue du narrateur qui est celui du petit garçon. Plus on avance, plus on en découvre. Alors ça serre le cœur parce qu'il se passe des moments un petit peu difficiles dans la vie de cette ville, mais c'est extrêmement bien écrit et j'avoue que je suis tellement prise par l'intrigue que j'ai vraiment très envie de le lire. Je le lis du coup assez vite, mais c'est vraiment facile à lire. Le rythme est vraiment parfait, je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça se passe dans l'Ohio. Du coup, on est vraiment immergé dans la culture américaine et j'aime bien m'immerger dans une autre culture, dans d'autres mœurs. Je trouve qu'on voyage davantage dans un roman. La couverture aussi, je la trouve super jolie. On aborde plein de thèmes sociaux, humains, importants, et plus on avance, plus je comprends où elle veut nous emmener. Si vous l'avez lu, je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi j'accroche beaucoup. Dit automne, dit traces de patounes partout dans la maison quand on a la joie de vivre avec un chien. Alors je lave pas les sols à grande eau tous les jours, du coup j'ai une lavette comme ça qui est très très vieille, j'avais dû avoir ça dans genre un centre à corps, que je lave à la main, je la passe sous l'eau chaude et je mets un trait de vinaigre blanc que j'ai également en grand format, je pense que s'il y en a bien un à prendre c'est celui-ci. Hop, je mets juste un petit bouchon, donc ça je le laisse au-dessus de mon grand format. Et je passe un coup. Et j'ai terminé sans calorie de l'avant. Ça me donne envie moi-même de l'ouvrir. Je trouve que c'est très très sympa. On a mis aussi des petits mots, plein de petits clins d'œil. Je pense que ça va vraiment lui faire plaisir. J'aime bien l'idée de prolonger le plaisir, tu vois, après un anniversaire. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre dans la suggestion de cadeau de Noël sur le blog, parce que je trouve que c'est une très bonne idée aussi. D'ailleurs, pas besoin d'acheter de contenant, hein. Si vous-même vous avez reçu un calendrier de l'Avent, vous récupérez les petites boîtes, les petits pochons, et puis c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et on les re-remplit avec ce qu'on veut. Dans les suggestions de Noël, je pense que je vais mettre aussi ce calendrier de l'après. Alors celui-ci, je l'ai reçu en l'occurrence, donc il n'est pas encore ouvert, hein. C'est parce que je l'ai reçu comme ça. C'est celui de Clémence et Vivien. Vous voyez, ça continue après Noël. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je trouve ça assez cool aussi. J'aime bien l'idée d'avoir des petits cadeaux pour après. Alors c'est pareil, hein, on peut l'imaginer soi-même. Hein. Le bois de Warwam est vraiment très sympathique. Si vous habitez dans le nord, je trouve que pour une petite balade, pour se promener avec le chien en liberté, je sais pas, une balade en famille ou seule, même courir, bah, avant cette saison, c'est vraiment magnifique. Après, ça commence à être un peu détrempé. Donc là, je vous le conseillerais peut-être un petit peu moins. Je fais ma petite routine du soir un petit peu en avance. Je triche parce que si j'attends le parfait timing, on sera dans le noir. Il fait nuit à 17h de toute façon. C'est un démaquillage à l'huile. Je disais que je n'utilise quasiment pas de nettoyant, même doux, pour ne pas agresser ma peau, et particulièrement en automne. Parce que c'est un moment où la peau est vraiment malmenée par le changement de température et le vent. Elle a vraiment besoin qu'on prenne soin d'elle et qu'on nourrisse. C'est un moment où le corps, la peau et l'esprit ont besoin d'être nourris à cette période de l'année. Donc j'apporte vraiment des soins doudous et vraiment réconfortants pour ma peau. Donc là je me démaquille à l'huile démaquillante. Ça laisse la peau, il laisse la peau très très confortable, sans aucun tiraillement, alors que c'est une saison justement où on peut facilement avoir des tiraillements et donc des petites rougeurs, des choses comme ça. Donc je fais des soins vraiment très doux sans pour autant faire des routines très compliquées. C'est vrai que vous le voyez, j'utilise très peu de soins, j'ai des routines finalement assez simples. Je vais juste mettre un petit sérum, une crème, des fois je ne mets même pas de sérum selon ma motivation, mais là ça va faire du bien, ça va apporter un peu de lumière.
Voilà. Toujours vers l'extérieur. C'est vraiment une habitude que j'ai prise avec le temps. Et encore plus maintenant que j'ai 41 ans, je me rends compte. C'est drôle parce que entre 30 et 40 ans, on change pas beaucoup. En tout cas, moi, je me suis vraiment pas vue beaucoup changer. Je trouve que c'est une période où on sent pas trop qu'il se passe quelque chose dans le corps, dans l'organisme. Et là, ça y est, je vois que j'ai un peu changé, ma peau a changé, etc. Alors que le processus est évidemment continu. Donc je suis assez contente d'avoir commencé à prendre ces habitudes. Donc j'ai dû commencer il y a quelques années, on va dire après 35 ans. Peut-être qu'on peut commencer quand même un petit peu plus tôt. Si vous êtes plus jeune, c'est l'occasion. Mais je suis assez contente parce que bon, je pense que ça fait du bien à ma peau. Puis ça me permet aussi de me connecter davantage à mes sensations et aux soins que je m'offre. Du coup, je termine, j'arrive à la fin, la crème SOS de Madara. Eh bien, je vais vous laisser ici. J'espère que ce petit week-end d'automne vous a plu, que vous aussi, vous arrivez à vous ressourcer et à ralentir avant l'entrée dans l'hiver. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!